Aujourd'hui, les circuits courts, ça se développe, surtout en apiculture, parce que voilà, on a des soucis aussi de, avec les coopératives aujourd'hui qui sont pas forcément acheteuses du miel en vrac, etc. Et donc, il y avait une réelle demande pour ça. Donc, on a créé une formation spécifique sur comment je peux transformer les produits de la ruche. Alors, ça veut dire qu'est-ce que je vais avoir besoin en termes légal, en termes de laboratoire. Voilà, comment je peux avoir mon prix de revient et faire quelque chose qui tienne la route. Et puis il y a aussi une partie où c'est vraiment des recettes pour expérimenter soi-même. Donc là c'est plus sous forme de vidéo, avec une journée de regroupement qui nous permet quand même d'avoir un lien avec les stagiaires et puis de répondre vraiment à chaque projet spécifique. Et l'idée c'est ça, l'idée c'est de donner un premier pas, que les gens osent faire un premier pas vers, en faisant des recettes eux-mêmes, en se posant la question de leurs fournisseurs, de leurs prix, etc. Et ça permet d'être un peu un tremplin vers un projet de transformation. Alors on peut le faire pour soi personnellement si on a des projets de, on va dire, domestiques de se former, mais ça est quand même plus intéressant si on a un projet plus commercial derrière et de transformer ses produits de la ruche.